Je m'appelle Manon Rita Babin. Je suis peintre décorateur. C'est vraiment un métier de passion. C'est un métier dans lequel on transforme la matière. Sur les murs, les plafonds, les planchers, du mobilier, on va venir créer tantôt des faux marbres, de la feuille d'or, des finis béton, des finis des enduits naturels. J'ai commencé il y a 35 ans, puis 35 ans plus tard, je suis toujours aussi passionnée que je l'étais. Principalement, je travaille avec les designers, les architectes. Ils vont venir me dire, bon, moi, j'ai tel produit, tel mobilier, je veux telle atmosphère, qu'est-ce que tu me proposes? Mon rôle, c'est de venir se fondre dans tout l'univers qui est créé. On emmène la magie, puis là, tout le monde fait « Oh! » C'est comme ça, c'est merveilleux. Le premier critère important, c'est d'être quelqu'un de patient. En fait, ici au Québec, c'est beaucoup les femmes qui font le métier. On peut être sur une surface, revenir 15 fois, 20 fois, retravailler un détail, mettre une couche de finition, de détail, de minutie. On a la chance de travailler des fois dans des milieux incroyables. Un des projets que je suis vraiment fière, c'est que j'ai travaillé le Crew Café, en fait, qui était un immeuble dans le Vieux-Montréal, l'ancienne Banque Royale. Tout l'intérieur est en vraie pierre. Puis, comme ils ont fait un café, ils ont fermé deux sections. Puis, ils ont mis de la gypse. Puis moi, mon défi, c'était de venir faire une imitation de pierre. La beauté de notre travail, souvent, comme c'est de se fondre dans un espace, les gens ne sont même pas portés à penser que c'est fait à la main. C'est important de pouvoir offrir une formation à monsieur, madame, tout le monde pour déjà éduquer. De ça aussi, on va chercher des gens qui vont aller pousser plus loin. Éventuellement, ce qu'on souhaite toujours, c'est de pouvoir avoir des gens qui vont devenir notre relève. On est en train de monter un programme pour pouvoir former avec le cégep le métier. Ça va être extraordinaire parce que c'est vraiment un réel besoin.